OK? Et midi. Là, on a un window de 8h à midi pour bailler le blanc. Si tu vas arriver à 10h, il n'y a pas besoin de le dispatcher pour le dispatcher à l'évoquer pour le cas changer d'appointement pour lui parce qu'il y a un window de 8h et M avec midi. OK? La style aller pour le bail de l'autre. Il y a jusqu'à midi pour le bail de l'autre. Là, si tu arrives à checker ETL, les dispatchers, les demandes de l'ETL, qui est ETL, à qui l'est, la privée, ok? Qui l'est pensé, la privée? S'il dit que ça c'est à 2h, la privée, il suppose faire, un dispatcher suppose faire pour que vous preniez, driver à privée à 2h pour qu'il risque de jouer à appointement. Ça qui arrive, si presse là c'est à 4h, la fermée, Boke a dit driver a dit dispatch a sa driver a gen jusqu'à 4h pour le bail. Si driver a bail parce que si le driver a gen jusqu'à 4h pour le bail, le plus souvent plus la ferme à 4h. Plus la ferme avec 4h. La kounya si driver a pas get en bail l'autre ça avant 4h, driver a most likely gen en rete, aminam, pral rete. Pour le temps de me suggérer, pour le bail l'autre, elle est ouverte à 8h. Les gens qui ont fini le bail l'autre, ils vont mettre BOL là. OK? Dans le receiver, il y a Titoni. Titoni checker BOL là. Titoni ouvert, tu es là. Il compte tout ça là-dedans. Il met sur tout le bagage en forme. Pas de bagage qui est crasé, pas de bagage qui manque. Si il y a des choses qui crasent et qui manquent, la mentionné dans le BOL. Le coup, il y a même un vote BOL là, by dispatch là, ou bien un vote by carrier, compagnon là. Compagnon là, lui-même, pour le vote by broker. Broker lui-même, après dans le BOL là, il y a des choses qui crasent. Là, beaucoup bien qui manquent. Si il manque, broker va le contacter pour Coca-Cola pour faire venir, il manque pour parler. Parce que si c'est crasé, il crasé. Le plus souvent, c'est le driver qui est responsable. Le driver qui a appelé le frein trop fort et puis tout ça, il y a parlé de tout là, il est souqué, il est crasé, il est tombé ou bien voilà, ça te gagne. Là, quand il y a un broker qui a mis ton claim dans l'autre, ça, ça va prendre le temps pour payer pour toucher pour l'autre là. Pour ça, tout le monde va retirer, soit en dissipant, il va coûter 300 dollars, 400 dollars, il va retirer 300, 400 dollars, n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez ça? So, l'on finit, on finit par ça, et puis tout le monde a la même mouvement, il va y avoir un carrière, un carrière, tout à fait bien passé, ok? L'autre l'a fini, on fait mener, on a autant dans l'autre. Bon, ça c'était un petit exemple de Chuck Dispatcher pour nous connaître qui est le Chuck Dispatcher qui s'est fait. Dans la next class, nous allons vous montrer où. Et parler de booker, parler de carrière, et puis parler de notre bagage encore, hours of service. Merci.